Va chercher l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'enfant est malade. On te dit d'aller chercher l'argent. Tu n'as pas l'argent. Mais moi, de soigner l'enfant avec quoi? Avec mes dents? Ou bien de faire pousser les cheveux sur ma tête pour soigner l'enfant? On te dit d'aller chercher l'argent pour soigner l'enfant. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien d'autre là-bas. Ça dit poulet, mouton. Tu ne cultives pas. Et ça, sac de mille. L'hôpital là, c'est pas la plantation de mon papa. C'est pas gratuit ici. Va chercher l'argent. Je te parle, tu me regardes, on dirait un morceau de bois. Regarde-moi lui là. Les gens là, vont vivre comment ici? Moi, hein? Je comprends pas. Personne n'a l'argent. Ah. Mais c'est qu'ils vont tous crever ici, un à un. Regarde-moi ça. Ça, c'est quoi? C'est le tchoukouri. Le tchoukouri? Le tchoukouri. Mais on va se tchoukouriser ici. Oui, on va se tchoukouriser. Et qui t'a quoi? Ah, l'indigène ne meurt pas les jeunes. C'est vrai? Là, c'est vrai. Oh, Dola, où tu vas comme ça? Ici, là, c'est pas un marché, hein? Tu as un malade ici? Je suis là pour rencontrer les responsables. Ouais, tout droit devant toi. Excusez-moi. Ouais. Vous pouvez garder mes bagages, s'il vous plaît. Ah, non, non, non. Moi, je suis là pour garder la porte, pas les bagages. Maintenant, si tu veux un concert... Bon. Amen. Tu crois que c'est cadeau? Bonjour. Excusez-moi, je peux rencontrer un responsable? Excusez-moi, je peux... Oh! C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle impolitesse ça? Tu es très mal élevé toi! C'est quoi ça? Tu viens trouver des responsables en train de manger et tu viens les interrompre. Tu peux pas attendre dehors comme tout le monde. Regarde-moi ça. Ça va pas, non? Pourquoi tu es très impoli comme ça? Mal éduqué. Je suis le docteur Yedi. Le docteur Georges Yedi. Le docteur Georges Yedi. Le nouveau médecin-chef. Soyez les bienvenus, docteur. Docteur, je suis le docteur Sorgo. Et elle, c'est... Nyangwana. Notre major. Mais, docteur, excusez-nous pour l'écart de langage de tout à l'heure. On n'a pas l'habitude de ça. Franchement, ça nous a surpris. Excusez-nous encore. Tu as vu maintenant? Quand je te parle, toujours, tu ne comprends pas. Tu as vu dans quoi tu nous as amené? Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois quelqu'un pour la première fois. Mais un peu de courtoisie. Hein? Regarde comment tu as parlé au monsieur. Ça, c'est quoi ça? Hein? Tu parles au monsieur comme si tu le connaissais avant. Ça veut dire quoi? Docteur, il faut l'excuser. C'est comme ça elle est. C'est comme ça on souffre avec elle ici. Ouais, elle a un petit problème dans la tête, c'est ça. Mais docteur, vous devriez vous faire accompagner par le délégué, non? Je l'ai eu au téléphone et il s'est excusé. Il a une réunion de dernière minute chez le gouverneur. Mais il trouvera un temps pour la passation. Ça c'est bien. Va appeler les autres. Ah! Docteur, venez avec moi. Attendez. Venez. Donc, voilà, c'est comme ça se passe. Donc, tous les appareils de l'hôpital sont défectueux.
Alors, j'étais obligé de faire venir mon appareil personnel pour faire les soins en attendant, tous les examens en attendant. Et ouais. Vous en avez parlé au délégué? J'en ai parlé au délégué. Il est au courant. Si le délégué dit qu'il n'est pas au courant, c'est que c'est de la mauvaise foi. Bon, il a promis de nous aider, mais jusque-là, rien. Docteur! Docteur! Bon, j'ai déposé le dossier, hein. Le sous-préfet n'est pas là. Mais il va falloir me rembourser 1000 francs de timbre et puis la moto aussi. Bon, Souké, on va se gérer ça après. Non, non, non. Hey, toi, ton, Souké, après, vraiment, je Souké, connais. Souké. Non, non, non. Souké, Souké! Tu es comme moi-même. Mais pour finir. Ça dit, toi, quand il y a l'argent dans ta tête, là, tu deviens bête. Hein? Mon argent à la table. Faut réfléchir un peu. Tu vois pas que je suis avec quelqu'un? Ah, ok, d'accord. Bon, occupe-toi de ton patient. Et puis on se retrouve à... Regardez-moi ça. C'est le médecin chef qui est là. Oh, soyez le bienvenu. Moi, c'est Souké. L'homme a tout fait ici. Allons, docteur. Mes bagages. Appelle Siri qui va appeler les bagages. Siri! Oui. Viens vite. Les bagages du monsieur. C'est quoi ça? Voilà, faut l'accompagner. Ah. Mais je crois que tu m'avais abandonné avec tes bagages. Hé, hey, tu as payé? Tu as fait 2 heures, donc ça fait 2000. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, lui, c'est un bon blagueur. Hé, hey, quel bon blagueur. Quand j'ai négocié mon gombo, tu étais là. Sans les 2000, je ne donne pas les bagages. Donnez quoi? Est-ce qu'il a payé? S'il ne paye pas les 2000, je ne donne pas. Sirigui, c'est un patron. Ah bon? Oui. Ah, c'est un patron. Donc ça fait 5000. Tu as quel problème? Quel problème comment? C'est notre nouveau patron. Il faut l'accompagner. Non, comme il vous l'a bien dit, je suis un bon blagueur. Non, bonne arrivée. Soyez le bienvenu. Avançons. Soyez le bienvenu. Bon, voilà votre nouveau local. En attendant. Docteur Sorgho, une minute s'il te plaît. Vous pouvez m'appeler Djibril, docteur. Djibril. Oui, docteur. Je peux savoir à qui appartiennent les animaux à l'hôpital? Ah, les animaux là, ce sont les patients qui les ont laissés là, comme ils n'ont pas d'argent pour payer les soins. Ils les ont laissés ou vous le leur avez demandé? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, docteur. Comme ils n'ont pas l'argent pour payer en espèces, il y en a qui payent en nature. Oui. Ok. Voilà. Donc, ce sont les moutons de l'hôpital. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que. Pour dire vrai, ce sont mes animaux, ce sont mes moutons. Voilà. C'est le salaire pour mes interventions. Comprenez? Mais les moutons que vous voyez là, il n'y a pas que pour moi dedans. Hein. Il y a pour Souké dedans, il y a pour Siriki dedans. Voilà pourquoi je dis que c'est pour nous tous. En fait, docteur, il y a un adage qui dit que de Dieu, de chèvre, brote une tache. Ça, c'est en allemand. Vous ne connaissez pas l'allemand? Bon, donc en français, terre à terre, ça veut dire que la chèvre broute là où elle a passé. Vous comprenez maintenant? Voilà. Bon, docteur, je suis dans l'hôpital. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours m'appeler.
beautiful. I have so much, so much I would like to share with you. And I would like to know how you're doing. Okay. I swear to God, I'll pluck out your eyes and have vultures eat up your intestines. Get out! What is she now? You have no idea what this woman has done. Quoi qu'elle ait fait en tant que directeur de cet hôpital, j'en tire l'entière responsabilité. Do you think your flimsy excuses is going to bring my father back to life? Where were you two as this witch to take care of an ailing man instead of attempting to rip me out? Mademoiselle, déposez ce couteau immédiatement! Si elle a mal agi, elle sera sanctionnée, mais commettre un crime ne ramènera pas votre père. What do you know about that? What do you know about that? I've also lost my father out of medical negligence. I saved countless fathers. Demeure dans mon bureau à 9h. Et la première chose dont a besoin tout être humain dans une situation de détresse, c'est l'attention. L'attention. Et cette attention commence en premier par quoi? Un, par l'accueil qui lui est réservé. Deux, par la propreté du cadre dans lequel il est accueilli. Incroyable ce que je vois depuis que je suis arrivé. Troisième chose importante, la vitesse avec laquelle on s'occupe des malades. C'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est pourquoi désormais dans cet hôpital, on soigne d'abord les malades avant de chercher à savoir s'ils sont capables de payer. Oui. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis convaincu que si ces gens sont mieux pris en charge, alors ils n'auront aucune réticence à payer. Je veux bien comprendre que cet hôpital rencontre des difficultés. Oui, mais je suis désolé. Cela ne légitime en rien les pratiques mafieuses et honteuses que j'ai découvertes dans cet hôpital. Alors écoutez-moi très bien. À partir de maintenant, fini les dessous de table. Fini la rançon des malades. Fini les taxes de chèvres, de je ne sais pas moi quoi. Cet hôpital, mesdames, messieurs, n'est pas une bergerie. Mon délégué. Oui, docteur. Oui, on était en train de faire un petit point. C'est très très bien. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. D'accord. Bien dit, docteur. Du moins pour ce que je viens d'entendre. Bienvenue, monsieur le délégué. Merci. Je constate que vous ne m'avez pas attendu pour commencer. Ça m'éviterait de longs discours. Mesdames, messieurs, excusez-moi une minute. Monsieur le délégué. Merci. Vous là, on dit rira bien, qui rira le dernier? Il va partir, non? On va se limer ici.
Très bien. La première phase étant terminée, nous allons passer aux choses sérieuses. Votre prédécesseur n'ayant pratiquement pas travaillé ici, il n'y aura pas d'échange de civilité. Je vous souhaite bonne chance, docteur Yedi. Merci, monsieur le délégué. Sauf qu'en attendant, l'hôpital manque de tout. Nous aurons besoin d'une subvention pour acheter le nécessaire. Ne serait-ce que pour faire des examens et acheter des médicaments pour les soins de base. C'est malheureusement ça la situation dans tous nos hôpitaux. Nous n'avons pas de budget conséquent pour pouvoir faire face à tous ces problèmes. Mais je vais voir ce qu'il y a lieu de faire. J'ai appris ce qui s'est passé cette nuit ici. Les nouvelles vont vite. Oui, c'est ça la spécificité de toutes les petites localités. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours compter sur moi. Justement, j'ai besoin de votre aide pour m'éclaircir sur un détail. Selon les informations qui m'ont été données, le ministère verse une subvention de 15 millions de francs CFA chaque année à chaque centre médical d'arrondissement. Sauf que depuis 2 ans, dans cet hôpital, il n'y a eu aucune subvention. Comment ça? On verse cette subvention à chaque premier trimestre de chaque année? Oui, sauf qu'en regardant le registre comptable, aucune subvention n'a été versée. Par contre, les années antérieures, il y a eu des versements. C'est étrange. Ah! Oh, je comprends. Je comprends maintenant. L'ancien médecin chef ayant déserté et étant la seule personne habilitée à émerger, je crois que c'est pour ça que cela n'a pas été fait. Oh. Ok, donc si je comprends bien, pour un départ, on attend de vous une subvention de 15 millions de francs CFA. En attendant, bien sûr, les 15 millions de l'année dernière. Bon, écoute, j'aurais eu assez de temps qu'on aurait pu discuter de tout ça. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. J'ai eu une importante réunion tout à l'heure à Maroua. Et vous savez quand est-ce que la prochaine subvention peut être disponible? Très bientôt, certainement. Très bientôt. On n'a pas de produit pour lui. Regarde-moi ça. Monsieur le délégué, oui. Merci encore. Ce fut un plaisir. Merci infiniment. Merci. Leïla, tu viens? Délégué. Non. Il est docteur ou un médecin ou bien c'est un berger? On ne sait même pas. Votre type là, je ne sais pas où vous l'avez tiré pour l'amener ici. Mais franchement, je ne le sens pas. Garde un œil sur lui. Tu peux compter sur moi. Docteur, on a un sérieux problème. Cet enfant fait 39 de température et sa mère dit qu'il a convulsé toute la nuit. Il a quel âge? Mon mari d'Obiné. Entre 3 ans et 4 ans. Comment ça? Elle ne connaît pas l'âge de son enfant? Les enfants n'ont pas tous d'acte de naissance ici. Ça doit être le palu. Faut rapidement lui faire une goutte épaisse. Et au stade où on en est, autant lui placer une perfusion. On n'a plus de réactifs et la pharmacie est vide. Oui? Docteur Yedi, vous ici? Ah, quelle belle surprise. Donnez-moi une minute. Vous ne vous connaissez plus? Je me rappelle de vous comme si c'était hier. Le geste posé à l'hôpital de Kribi. Ah, ok. Ok, je vois. C'est vous qui avez un gamin qui convulsait et qui faisait, je crois, 40 de fièvre. Vous avez une mémoire fidèle.
Mais bien sûr, puisque vous, vous étiez là depuis 4 heures du matin. Non, docteur, 6 heures du matin. Bien sûr que je rigole. Je vous remercie encore pour votre détermination dans l'affaire Véronique. Ouais, l'affaire Véronique. Ok, ma sœur. En quoi puis-je vous être utile? C'est Salim. Il porte un lourd fardeau. Salim Warbabam. Je peux voir. C'est une hernie. Et c'est depuis quand? Depuis son enfance. Il a même été rejeté par sa famille, qu'il accusait de sorcellerie. Je l'ai recueilli au centre. Doc, on fait comment de l'enfant? Mettez-le en salle d'hospitalisation. Docteur, le délégué a enfin décidé de nous accorder la subvention? Non. Mes propres sous. Eh? Bon, mais en attendant une éventuelle subvention, j'ai pris là du petit nécessaire pour la pharmacie et quelques matelas. Et juste en bas, nous avons du matériel d'intervention pour tout ce qui est chirurgie ou cardiologie. De l'autre côté, nous avons une belle petite machine qui peut aider pour les échographies. Et en bas, bon ben, j'ai pris quelques lampes solaires. Leïla! Leïla! Donc on a fini de tout installer, hein. Tout est propre. Voilà. Ok. En tout cas, bon boulot les gars. Merci. Donc, bon. Il y a un souci? Ah non, non, donc. On vous attend quoi? Et vous m'attendez comment? C'est par rapport au travail qu'on vient de faire quoi. Vous ne nous avez pas encore vu. Vous savez, pour faire ce genre de boulot là, il faut quand même pour fortifier nos muscles. Ouais. Ce n'était pas facile, hein? Yeah. Ce n'était pas vraiment facile, hein? Oui. Ok, donc si je comprends bien, vous demandez à être payé pour avoir transporté le matériel de l'hôpital dans lequel vous travaillez, c'est ça? Non, mais les gars, vous êtes salarié ou pas? Mais c'est fou, ça. En plus, ce matériel sera utile et pour vos parents et pour votre communauté. Docteur, bon, par rapport à ce que vous avez dit là, les parents là,
nous, nos parents habitent, moi par exemple, mes parents habitent très très loin, jusqu'à Bobodiouf. Les miens sont morts il y a longtemps. Bon, si vous devez faire une bonne chose pour nous, c'est maintenant. Hein. Voilà. Souké. Oui. Siriki. Ah, oui. Ah, wow. Les gars, hein? Je peux? Et puis, je vais faire le dur, quoi. Non, c'est ce qu'on va voir. Ça ne va pas se passer comme ça. Fais travailler Siriki pour rien. Mais attends, il se prend pour qui même? Donc, ça m'est long pour aujourd'hui, hein? C'est une intervention sérieuse, là. Ah. Vous en avez encore pour longtemps? Souko et moi voulons partir, hein? On risque de ne pas avoir le bili-bili Chaminatou. Mais toi-même, tu connais Aminatou. Si on part tard, là, c'est le fond des marmites seulement qu'on va trouver là-bas. Monsieur, c'est une intervention sérieuse, là. Hein? Je comprends même pas. C'est comme ça, il est où? En fait, il n'est pas méchant. Oh, ça a perdu Popette. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le délestage. Le groupe a un problème? Le groupe? Non. En fait, il y a une pièce défectueuse, mais par manque de budget, on n'a pas pu la remplacer. Donc. Ok, il y a des lampes solaires sur mon bureau. Comment on trouve une pour continuer l'opération? D'accord. Siriki! Siriki! Va au bureau du docteur, apporte les lampes solaires, vite! Bili Bili, primo, je suis soulagé! Non, mais c'est qui m'a soulagé là? Voilà, attends, je vais vous expliquer. Les gars, explique. Je vous assure, le petit garçon qui est médecin là, ouais. Non, il est trop fort. Ouais. Il a travaillé tard dans la nuit pour sauver la vie de Salim. Mais on m'a même appelé à la recousse. Quand il y a eu coupé de courant, pour que je les éclaire. C'est toi qui fais la lumière. N'est-ce pas, donc? Mais il a fallu deux eaux de 10 litres pour porter la soupe de Salim. Quoi? Eh, hey, tu vois. Hein? Laisse. Tu vois ce que tu as dit là? Ouais. Le petit garçon là. Ouais. Non, il est trop fort. Yo! Non, tu sais ça? Dès qu'il est rentré là, il est sorti, il est revenu en même temps avec un camion plein de matériel. Oui. C'est lui un vrai homme. C'est lui un vrai homme. Ce n'est pas comme les margouillards qu'on connaît ici. Là. Mais là où il m'a gagné vraiment, c'est qui? Hein? Là où il m'a gagné, c'était à la réunion. Ah ouais. Attends, je vais boire un bon coup pour pouvoir imiter le petit directeur. Voilà. Fort. Dès qu'il s'est levé, il a dit plus de rançons de chèvres et de moutons. Voilà. Notre hôpital n'est pas une bergerie. Non. Ça, c'est vrai. Et désormais, on va soigner les malades avant de savoir s'ils ont de l'argent pour payer. Voilà. Non, celle-là, mes amis, il a appuyé le bouton dérangé. Mais normal qu'il dérange, parce qu'il ne connaît pas les grands principes. 10 chèvres. Et une broute. Toi, tu ne connais pas dire. Laisse-moi dire. Il faut dire. 10 chèvres. Broute. Un tèche. Voilà. Et comme il n'y a pas de dé pour brouter les tèches, il fallait trouver une autre pâtirage. C'est ça. Et là, mon ami et mon frère que j'aime bien, que vous-même vous aimez bien ici, le docteur y est dit. J'ai dit. Désormais, c'est terminé. Ah!
Salim. Comment ça va, cher ami? Je vais très bien grâce à vous, docteur. Dieu seul saura vous récompenser. Ben écoute, je ne fais que mon boulot. Hein. Ah, Leïla. Oui, docteur. S'il te plaît, rappelez-moi. On lui fait un dernier contrôle et si tout se passe bien, ben vous pourrez rentrer chez vous dès ce soir. Merci encore, docteur. Merci. Docteur, j'ai une petite préoccupation. Je vous écoute. Est-ce que quand je vais sortir d'ici, une fois totalement guéri, docteur, est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Oui, Salim, vous pourrez. Pendant 45 ans, mon existence n'a été que rejet, haine, mépris. Pendant 45 ans, je n'ai pas pu cultiver des champs. Je n'ai pas pu me marier ou fonder une famille. Et aujourd'hui, vous venez de rendre tout cela possible. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait, docteur. Vous m'avez sauvé la vie. Docteur, la mère de l'enfant veut vous rencontrer. Ok. Salim, donnez-moi une minute. Leïla revient prendre soin de vous. Docteur, je peux vous confier quelque chose? Oui, allez-y. Depuis que je travaille dans cet hôpital, je n'ai jamais vu ça. Une personne qui vient rembourser sa dette. Et tout à l'heure, je vous ai vu avec Salim. Comment vous réussissez ça? Leïla, je compte sur toi pour continuer de travailler avec autant de zèle. J'en ai besoin pour relever cet hôpital. Je vous promets, docteur. Je vous promets de donner le meilleur de moi-même. Okay. Merci. Écoute, ça fait 2 jours que tu es là sans cesse et dès que tu finis ta ronde, tu peux aller te reposer. Merci, docteur. De rien. Merci. Tu n'as pas honte? Je savais bien qu'il y avait un traître dans cette maison. Tu n'as pas pu t'empêcher d'écarter tes jambes devant lui. Tu crois qu'il va t'apporter quoi, hein? Rien! Il va aussi partir comme les autres. Mais attention, ne viens pas pleurer chez moi. Je parle à la bonne dame et elle me tourne les talons. Bonjour docteur, et félicitations pour hier. Pour hier? Salim, vous savez, personne ne s'imaginait que son truc là allait guérir, mais vous avez enlevé ça. Vous êtes devenu une star dans la ville. Ah bon? Oui. Tout le monde parle de vous. Vous savez docteur, nous on sait tout ce qui se passe dans cette localité, et même dans cet hôpital. Si vous voulez, on peut être vos oreilles et vos yeux. Et comment vous allez faire ça? Non, c'est très simple. Moyennant un petit bonus, bien sûr. Ok, d'accord. Et alors, j'ai besoin de savoir 2 choses. D'accord. La première chose, c'est où se trouve la congrégation des sœurs de Baba Simon? C'est à la sortie de la ville. Toutes les motos le savent. Ah, oui. Ok. Mais, donc, la deuxième chose. Ah oui, la deuxième chose, par contre, c'est que je ne veux plus voir Célie qui couchait à l'entrée de l'hôpital. C'est une très très mauvaise image pour notre hôpital. D'accord. Je compte sur toi. Oui, oui, oui. Soyez la bienvenue, docteur. Merci, ma soeur. Et désolé encore pour le retard. De rien, docteur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ah, donnez-leur vous-même à manger. Ah, c'est beau ça. Et c'est pas tout, docteur. Baba Simon, le missionnaire aux pieds nus. Et pourquoi aux pieds nus? Ah, vous savez, docteur, Baba Simon est un religieux merveilleux, adorable, qui a beaucoup travaillé dans le nord du pays.
Grâce à son action, beaucoup d'élites de la région ont eu droit à l'éducation. Il aimait être auprès des démunis, des plus petits, des plus pauvres. Et il aimait vivre les réalités de ces hommes et de ces femmes pour mieux leur transmettre l'évangile. Et c'est ce que nous essayons de continuer à sa suite. Chapeau en tout cas. Merci docteur. Je vous amène visiter la chapelle. Volontiers. C'est du chai. Du chai. Un thé local. C'est grâce à lui que nous arrivons à tenir dans cette fournaise, surtout dans le moment de canicule. Waouh, c'est très bon. Mais c'est ça la richesse de notre région. Dites-moi, docteur, comment entendez-vous mener les réformes dont vous m'avez parlé? Mais d'abord en comptant sur la collaboration du personnel, ensuite en évitant tous les âmes de bonne volonté, en tout cas tous les mécènes qui voudront bien nous accompagner. C'est dommage que je ne connaisse pas grand monde ici. Waouh, c'est noble ce que vous voulez faire. Merci. Mais n'oubliez pas, l'habitude à la peau dure. Il faudrait faire attention. Il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Comment un médecin avec deux spécialités peut-il se retrouver dans un hôpital comme celui-ci? Je ne saurais vous l'expliquer, ma soeur. Ça sent une affectation disciplinée. Et ça, c'est la beauté de ce pays. On élève les médiocres et on punit les compétents. Pour t'aider à mener ce combat, voici tout ce que je peux t'offrir. Baba Simon, son combat auprès des plus pauvres. C'est fou comme il ressemble étrangement à mon feu père. Il sera un père pour toi si tu le désires, docteur. Il te sera d'un grand secours dans le combat que tu entreprends maintenant. Ah, ma sœur, ce fut un plaisir de partager le chai avec vous, mais il faut que je rentre retrouver mes malades. J'ai beaucoup de travail. Vous pouvez y revenir quand vous voudrez, docteur. Merci. Ah, les enfants sont là. Le docteur Yedi, c'est lui qui a soigné oncle Salim. Merci docteur, merci docteur, merci docteur, merci docteur. Elle là-bas, c'est Kadi. Elle s'occupe du troupeau laissé par son père décédé récemment. Mais c'est l'heure d'adoration. Mais je ne sais pas prier. Thank you.
Bonsoir. Bon arrivé, Doc. Merci. Doc, on vous invite. Vous m'invitez? Oui, oui. Dans un club Bili-Bili. Voilà. Pour célébrer la réforme de notre hôpital. Ok. Et c'est quoi le Bili-Bili? Ah, Doc, vous ne connaissez pas le Bili-Bili? C'est un vin d'ici, un pur délice. C'est doux, hein? Yeah. Ok. Bah écoutez, c'est une bonne chose. Mais là, j'ai encore beaucoup de travail, donc remettons ça demain. Non, pas de soucis, Doc. Ok. Doc, même si vous voulez une pour le massage là, on peut vous en trouver. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en tout cas, on peut vous trouver tout ce que vous voulez. Ouais. Ok. Oui. Je tâcherai de ne pas oublier alors. D'accord. Allez, bonne soirée, les gars. Merci, Doc. Doc, même si vous oubliez, on va vous rappeler. Oui. Ouais. Oui, il est bon. Un bon monsieur. Docteur Sorgho. Docteur Sorgho. Je peux? Écoutez, je sais qu'on n'a pas beaucoup discuté ces derniers jours, mais je tiens déjà à m'excuser d'avoir été dur envers vous. Et à la limite même désagréable. Mais je sais que quel que soit ce que je souhaite faire ici, votre expérience nous sera d'une grande utilité. J'apprécie votre humilité, docteur. Écoutez, en réalité, mon désir, c'est qu'on quitte d'une dizaine de malades par semaine à au moins une cinquantaine. Bon. Je sais que les malades ici ont l'habitude d'aller se faire soigner chez les marabouts au lieu de venir à l'hôpital, mais nous devons inverser la tendance. Et ça, ce n'est qu'en menant les réformes que nous avons fixées la dernière fois. Seul, je n'y arriverai jamais. Mais si nous formons une équipe, alors oui, ce challenge peut être relevé. Je peux compter sur vous, docteur. Vous pouvez compter sur moi, docteur. Vous avez tout mon soutien. Santé. Ok, je suis heureux de l'entendre. Merci, il n'y a pas de quoi. Alors, docteur. Oui, docteur. Je compte sur vous pour que dès demain matin, dans cet hôpital, il n'y ait plus une chèvre, il n'y ait plus un mouton, et qu'on ait enfin un hôpital plus propre et plus convivial, par respect pour nos malades. L'enfant la parle mal, hein? Moi! Regarde, il faut attendre, pas pour plus d'abord. Oh! Bien! Docteur Sorgho! Hein? Que se passe-t-il? Je suis en train de chercher un nouveau pâturage pour mes chèvres. Pourquoi? Ordre du Dieu Tout-Puissant. Quoi? Azambouama! Il se prend pour qui? Les gens vivaient ici tranquillement. Ils viennent semer les embrouilles. Docteur, on ne doit pas le laisser nous traiter comme ça. Parce que moi, je t'ai dit que je vais me laisser faire. C'est parce qu'il ne me connaît pas. S'il me connaissait là, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Vraiment? Là. Attends, moi là, on m'appelle la vipère. On ne marche pas sur ma queue.
Un petit enfant comme ça qui a encore les dents de lait vient nous donner des ordres. Non! Comment? Moi là, j'ai tout fait dans cet hôpital. J'ai bâti cet hôpital. Pendant des années et des j'ai années... J'ai sacrifié ma jeunesse pour cet hôpital. Attends! J'ai tout fait! C'est mon empire qui est là! Ça ne doit pas se passer comme ça. Et toi, un enfant, tu n'as même pas encore fini de téter le lait de ta maman. C'est à moi que tu veux venir donner des ordres? Docteur, c'est la jalousie. Attends, mais si c'est la jalousie, tu me dis. Dis-moi. Oui. Tu as besoin de chèvre, tu as besoin de poulet, tu as besoin de bœuf. Dis-moi, ah, docteur Sorgo, j'ai besoin de ça. Je te donne. C'est ça, au lieu de contourner. Voilà. Mais non, laisse. Tu vois, il y a un adage qui dit que quand le singe veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la forêt. Laisse, on va là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Excusez, docteur, que dois-je faire? Non, 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 faut aller travailler, sinon il va s'en prendre à toi. Il va travailler. Ah. Petit, viens m'aider à faire monter le mouton. C'est quoi ça? Tu me regardes depuis, tu es comme un même. Oh. Ah. Tu. I've never thought of such a place, even in my wildest dreams. Since the patient was right, you are quite the guy. Thanks. Oh, I really enjoyed the cheese you made. If it is possible for me to come and see how they are made. Okay. I know that I'm not the best person to become friends with. But sorry again for your father. The story about your father. Was it true? Or you just said that to make me let go? Yes, sir. What happened? It's a long story. I want to hear it. Do you like it? Yes, I like it. Listen. Sorry about the last night, babe. It's okay. I forgive you. You know, I should get you more upset. Yes, at least I'll get this attention from you all the time. But darling, can I ask you something? Listen, I'm not trying to take you away from your work or from your patients. I don't know, is it too much to ask? Can you at least try harder for your son and I?
Can you do that? Yes. Really? Yes. Pick up, don't you want to pick up? No, honey. How do you mean, nah? Pick up your phone. And you never know who's calling. Go ahead. Pick. Okay. Okay, my queen. Yeah, okay, my queen. Do pick up. Oui, hello. Oui, allô. Attends. Patrice, s'il te plaît, passe-moi le médecin chef. Ok, j'attends. Ok. What is it? It's my father. Is he okay? He just had a cardiac arrest. Cardiac arrest? And he's at the hospital. Oh my God. How bad is it? Really bad. Come, baby, come. Listen, your father is strong, man. I'm sure he will pull through, okay? Oui, allô? Oui, Patrice. J'ai pu avoir un médecin. Mais comment ça, vous ne pouvez pas avoir un médecin? Patrice, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a une urgence dans cet hôpital? Quelqu'un qui a un pronostic vital engagé, c'est fort. Si rien n'est fait dans les minutes qui viennent, on peut perdre papa. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? It's okay. Listen, I'm sure they can take care of things, okay? Yes, they will. They won't. They're asking my brother for money first. How can they be asking your brother for money first? Is there no doctor? It is Africa! It's Africa! If you think maybe you should try and talk to the doctor. Hello? Hello, Patrice? Oui. Okay, c'est pas grave. Oui, mais je sais. J'ai compris. Passe-moi l'infirmière. Oui, allô madame, oui, je suis le docteur Georges Yedi, j'appelle depuis les États-Unis, je suis cardiologue et neurochirurgien. Mon père, oui, ok, le patient c'est mon père. Est-ce que je peux parler au médecin chef? Oui, mais madame, on s'en fout, est-ce que le médecin sait qu'il y a une urgence dans son hôpital? Chut! Madame, oui, mais madame, j'ai bien compris. C'est le docteur. Ok, docteur. Je m'appelle le docteur Georges Yedi. Je suis neurochirurgien et cardiologue. J'appelle depuis les États-Unis. Docteur, je soupçonne une coronaire. Docteur. Allô? Attends. Allô, Patrice? Non, Patrice, non! Listen to me very well, Brenda. You have no right to do this. This is our money. I know you are doing this as revenge, but you shouldn't. If you think that you could do this to prevent me from working here, you are mistaken. Respect the choice I made. You hear me? Respect my choice! No!
Bonsoir, ma soeur. Est-ce que le docteur Yedi peut être là? Que lui voulez-vous? Enfin, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis le délégué régional de la santé. Il y a eu une femme entre la vie et la mort. Et on a urgemment besoin de lui. Et on a déplacé le délégué régional? En fait, c'est la femme du sultan. Vous comprenez? Elle est très malade. Et le docteur Yedi étant cardiologue, c'est notre seule chance pour sauver la vie à cette femme. Je l'appelle depuis un certain temps. Son téléphone ne passe pas. Son téléphone est brisé. Restez sur place. Je vais envoyer le chercher. Bon, merci. Voici docteur Yedi. Il est cardiologue. Il peut bien s'occuper de votre femme. Malheureusement, vous savez bien que l'ambulance ne fonctionne pas. Et si on la met simplement dans une voiture, avec les secousses de la route, elle ne va pas arriver. Et si on faisait venir un hélicoptère? Pourquoi faire? Pour envisager une évacuation sanitaire à l'étranger. Est-ce que vous réalisez que tous les moyens mis pour une telle évacuation sont suffisants pour mettre sur pied un plateau technique capable de résoudre ce genre de problème ici à Gazawa? Vous pouvez faire quelque chose? Oui ou non? Qu'on la transfère à l'hôpital. Oh, sorry for the mess. My days are often very long. Foléré? Yes. A good glass of foléré. I was watching a program that talks about a young Cameroonian who created the cardiopath. Artisan. Wow. Wow. Great. There is a talent in this country. Oh. It's very delicious. Is that her? She is very pretty. Oh, thank you. Tell me, how did she take you when you told her you're coming to Africa? Not this kid, that's me.
Please. So where are you going out this? Where? A lot of job. A lot of job. Your son wants to play with you. Yes, get it. Okay. Another time. Okay? Papa. Another time. Ah, get it, carry it. Why are you sitting here? Okay, I'm very sorry. Did your mother have a good time? How did it go at the hospital? Did it go well? Yes, he made it. Oh, he did. Bravo, Doc. Bravo. Hero of our time. Please, Brenda, try to understand. Try to understand what? No, George, what exactly do you want me to understand? What? Understand that you do not have time for me? Understand that you do not have time for us? In case you've forgotten, George, you left me in the middle of a dinner. You were supposed to tell my parents that we were engaged. But as usual, you left me to do it all alone, by myself. Thank you. It's not my fault. It was an emergency. Of course it was an emergency. Oh yes, it was. Isn't that all I hear from you all the time? Emergency, emergency, emergency. You know what, George? Someday, you'll have to go and marry one of the patients. Oh yes. And leave Brenda alone. Leave me alone. Have a good night. George, what can I do for you? George, tell me what's going on. George, you're my friend, okay? I know that you're not yourself. I'm not saying that you're not doing your job. You're still one of the best, or the best that we have here. You're doing an amazing job, but I can tell that there's something bothering you. Listen, George. George, please talk to me. Is there something bothering you? Yes! Yes! There is something bothering me. George! George!
This doesn't make sense. Come on, man. Think about it. Think about it, bro. Listen, you can't do this. You have the best life. You have the best car. You have the best house in Dallas, Texas. You have a beautiful wife. And you want to abandon all of this and go back to Africa? Africa? Because you want to be a hero? Brother, man. This doesn't make sense. So you left anyways? What did you want me to do? You're so irresponsible. What an imbecile! What a shame. Major. Major. Oui, docteur. Il n'y a pas de carnet depuis. Docteur, c'est que personne n'est passé chez nous. Ils sont tous là-bas. Tu vois, au dehors, il y a plus d'une cinquantaine de malades. Mais ce qui m'intrigue, c'est que chacun cherche à voir le docteur Georges Yedi. Comme si, dans cet hôpital, il n'y a que lui comme médecin. Nous, on n'est pas entre quoi ici. Un peu de respect quand même. Docteur, je suis sûr que c'est Léla qui est derrière tout ça. Comment ça? Elle couche avec le docteur. Non! Docteur, je crois qu'il est temps d'arrêter cette mascarade. Elle va déjà trop loin. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Major. Oui, docteur. La course de l'enfant, là, c'est le matin. Va travailler. Aïe! Lélé! Naam. Voici le médecin qui t'a sauvé la vie. Je voulais personnellement te remercier d'avoir sauvé mon épouse. De rien, Majesté. Je n'ai fait que mon travail. J'ai appris ce que vous avez fait chez les peuples. Vous avez tout mon soutien et celui de toute ma communauté. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Justement, Majesté, j'ai deux préoccupations. Je sais que le délégué est votre ami et je viens vers vous pour intercéder auprès de lui afin que notre subvention au sein de l'hôpital soit versée. Maintenant, concernant l'action menée chez les Peuls, nous souhaitons bien l'étendre auprès d'autres communautés. Mais croyez-moi, Majesté, nous avons besoin de l'appui de toutes les élites, de tous les mécènes, bref, de toutes les forces vives de la localité. On ne peut pas attendre tout et toujours de l'État. Et je me dis que les fils et les filles de ce village, riches ou pauvres, peuvent se mobiliser véritablement pour la relance et la rénovation de cet hôpital. Parce que cet hôpital est d'abord le vôtre. Bien. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Et en attendant, pour te dire merci d'avoir sauvé mon épouse et surtout pour vous encourager à aller soigner les malades qui habitent loin de l'hôpital, j'ai un cadeau pour vous. Thank you.
Monsieur le délégué, quelle surprise. Je ne savais pas que nous avions rendez-vous. Je suis venu honorer de ma parole. Mais je croyais que vous alliez régler les 2 années que vous devez à l'hôpital. Estimez-vous déjà heureux d'avoir ce que vous avez reçu? Cela ne vaut pas la peine de demander des interventions. Je suis un responsable et je n'obéis pas à la pression de qui que ce soit. Monsieur Yedi, ma signature a le pouvoir de vous envoyer dans une zone encore plus enclavée que celle-ci. Par ailleurs, on m'a dit que vous voulez vous lancer dans une vaste campagne gratuite de santé. Je tiens à vous rappeler que les subventions de l'État ne couvrent pas de pareilles activités. De l'autre côté, je crains que très rapidement la réalité ne vous rattrape. Avant sa vocation première qui est de sauver des vies, l'hôpital est avant tout une entreprise. Et une entreprise, ça fait des bénéfices. Le docteur Yedi, je suis là pour vous dire que la nouvelle équipe médicale est là pour s'occuper de vous. Oui, les foules dans la campagne de vaccination, ce matin, j'ai Picolan, mais j'ai Dardan, j'ai Marie-Redou. Cette semaine, nous allons commencer les campagnes de vaccination quartier après quartier. Mes amis, oui, vous avez fait ces derniers mois un travail remarquable. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter une somme de 10 000 francs CFA sur vos prix mensuels. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Donc, ça fait 180 000 francs pour chacun et chacun d'entre vous. 180 000? Depuis que je travaille dans cet hôpital, on n'a jamais eu de prime. Il n'y a que le docteur Sorgo qui nous dépanne parfois avec les 5 000 francs. Comment ça dépanne? Oui, docteur, juste de temps en temps. Alors qu'il est bien mentionné dans les registres que vous receviez chacun et chacune une prime de 20 000 francs le mois. Quoi? Comment ça, 20 000? On n'a jamais eu une somme pareille, hein, Souké? 0 francs, jamais, jamais. De toute manière, les registres disent le contraire. Et c'est pour cela que, à vos 20 000 francs, j'ai décidé d'ajouter 10 000 francs de plus. Merci, docteur. Vraiment, docteur. Non, on va demander la route. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Merci. La fille. Au revoir. Au revoir. Merci. Docteur, le docteur Sorgo nous faisait signer en nous disant que c'est pour marquer notre présence. Et que le moment venu, lorsque le budget sera versé, on va nous payer, hein, les filles? Oui. Je savais que quelque chose couchait dans ces rapports, mais je ne pouvais rien dire. Je n'aimerais pas être à cette place. Amayato. Aujourd'hui, là, c'est fort, hein. C'est à même en buvant, ça fait vibrer. Hé, Aminatou.
cesse de baisser mon charisme. Ouais. Mmh. Je suis un monsieur. Oui. Mmh. Montre. D'ailleurs, tournez général. Ouais. Tournez général. 99 jours. Oui. Pour les voleurs. Mais un seul jour pour le grand patron. Tu sais, ce Margouyal. Hein? Moi, je pensais que c'était notre ami. Déjà, il bouffait nos primes. Même les primes de tout l'hôpital. Ah! Même celles de Mad. Ah! Ouais. Non, mais docteur Yedi, c'est un monsieur. Il est petit, hein? Mais c'est un monsieur. On va l'inviter ici. Voilà. Ouais. Oui, mais attends, pourquoi Sorgho a un mauvais cœur comme ça? Mais écoute, c'est parce qu'il a un mauvais cœur comme ça que Dieu lui a rendu comme ça. Encore désolé pour ce qui vous arrive, docteur. Merci, monsieur le gouverneur. J'aimerais bien comprendre. S'il n'y avait pas de marmite au feu, s'il n'y avait pas de bougie allumée, c'est certainement d'origine criminelle cet incendie. J'ai demandé au commandant d'instruire une enquête afin d'y voir plus clair. Mais en attendant, docteur, pour l'énorme sacrifice,
pour le service rendu à ce département. Sache que tu n'es pas seul. Tu as le soutien de toutes les autorités et du ministre de la Santé en particulier. Un dispositif de sécurité sera désormais présent pour te protéger. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'on vous loge dans un hôtel en attendant que les choses reviennent à la normale. Monsieur le gouverneur, je suis très touché par votre sollicitude. Mais comprenez-moi, je n'ai vraiment pas besoin de rester loin de l'hôpital. Ça devrait pouvoir aller. Donc, tu te rends compte, délégué? Moi, je suis à 3 mois de cotisation. 3 mois pour bénéficier de la pension retraite. Et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que je démissionne. Quoi? Délégué, ce petit-là, il a mauvais cœur, hein? Je crois que nous l'avons trop sous-estimé. C'est vrai? À cause de lui, j'ai perdu mes entrées chez le sultan et chez le gouverneur. Là, délégué, je te crains. Mais attends, ce que tu ne sais pas, délégué, c'est que j'ai surpris une conversation avec sa petite femme, Kadi. Ils vont aux États-Unis. Quoi? Ils vont? Pour un prix au compte de son association. Pas possible. Ça, c'est rien. Je te jure, au nom de tout ce que je cherche, quand ils vont revenir, lui, ils vont le nommer délégué, et toi, ils vont te pousser à la retraite anticipée. Quoi? Ah, d'accord. Faut pas le laisser faire. Ah, bah, ça dépend de toi. Hein. Tout est dans ta main. Je demandais. Tu n'as pas une autre corde à ton arc? Oh. Non, Sorgo a toujours une petite corde imparable dans son sac. Tu penses que, pourquoi on me craint ici? On m'appelle Sorgo la vipère. On ne marche pas sur ma queue. Fais ce que tu as à faire.